Royal, ils viennent de Hinnerin. La bienvenue à Berlin. Candidatin für eine starke Europa und Frieden in der Welt. Notre candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal. Alors, on m'avait préparé un petit passage en allemand, je ne sais pas si je vais me lancer. Vous le voulez vraiment? Alors, mais c'est quand même ma première langue, hein, donc je n'ai aucune excuse si je ne sais pas. Ah oui, j'ai été élevée dans les Vosges, donc pas loin de la frontière franco-allemande. Et d'ailleurs, dans tous les collèges, l'allemand était la première langue, ce qui donne... Ebenfalls will ich unsere deutschen Freunde begrüßen. C'est pas fini. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Das freut mich sehr. Es ist das wichtigste Symbol, dass eine nationale Wahl gar keine exklusive nationale Dimension mehr hat. Für Ihre wertvolle Unterstützung bin ich der SPD ganz dankbar. Ah oui, c'est bien oui, qu'elle fasse un discours, je pense. Pour les expatriés ici, c'est très bien. Ça prouve qu'on compte pour la campagne, on n'est pas juste loin, tout ça. C'est très bien. Vous jouez un rôle très important. Et à travers vous, c'est un message à l'ensemble des communautés françaises, à travers le monde, que je veux m'adresser. Je souhaite que nos deux peuples se rencontrent davantage. Je souhaite en particulier que l'éducation, la formation, soient la toute première priorité de nos échanges. On m'a dit que vous étiez préoccupé sur un certain nombre de questions, bien sûr sur l'apprentissage des langues, mais qu'il y avait aussi des projets très importants qui permettraient de renforcer la dimension citoyenne de la relation entre la France et l'Allemagne. Disons que c'est rassurant pour l'avenir, parce que c'est vrai que souvent quand on est expatrié, on n'a peut-être pas la même sécurité que quand on reste dans le pays. Et en ça, oui, ça me parle. En ça, ça me parle. Ça... Quand on a mon âge, enfin, j'ai 24 ans, on rentre dans la vie professionnelle, on a un peu besoin de se sentir soutenu si on reste à l'étranger. Et c'est pas toujours le cas. Et donc là, c'est vrai que c'est bien qu'elle ait parlé de ça. Là, c'est vraiment bien. Et puis, je connais aussi la préoccupation concernant la reconnaissance de tous les diplômes scolaires, universitaires et professionnels pour accès à l'emploi. Il y a encore, me dit-on, trop de protectionnisme caché. C'est vrai. Je crois que on doit mettre fin à cela parce que nous avons absolument besoin de renforcer ces échanges de matière grise. Je pense qu'elle a su dire aux Françaises et aux Français de Berlin, et d'ailleurs, hein, parce que certains sont venus aussi de Bruxelles, je crois, j'en ai vu quelques-uns, qu'elle était attentive à leurs préoccupations et elle a été une fois de plus très, à la fois très concrète et très déterminée. Et je pense en plus qu'on a tous besoin de relancer l'Europe. Ça passera par l'entente franco-allemande. L'accent sera mis en particulier sur la sécurité des communautés françaises, la formation du personnel diplomatique et consulaire à la gestion de crise sera assumée. Je ferai de la coopération consulaire européenne l'un des axes de la présidence française de l'Union européenne. Je crois à la mutualisation des moyens dans ce domaine afin de garantir la protection des Européens dans le monde. Pour ceux qui ne sont pas concernés par ces questions, cela peut paraître un peu technique ce que je dis. Mais je sais combien c'est important pour vous et pour tous les Français qui sont expatriés et qui donnent beaucoup à la France en retour par leur présence à l'étranger. Pour les législatives, on ne peut pas voter en Allemagne, il faut voter en France. Puis les procurations, c'est vraiment très compliqué et puis c'est l'horreur. Ça, vraiment que ça change. Là, ça, c'est... Il y a tant de gens qui ne votent pas parce que c'est trop compliqué. Quand on habite à Berlin ou à Munich, bon, c'est très bien.
mais j'ai vécu à donner à Ratisbonne. Il fallait que, je prenne un jour de congé exprès pour aller au consulat de Nuuk pour faire la procuration. Enfin, non, ça c'est moche. Enfin, il faudra avancer résolument sur la question du vote à distance. La distance entre l'urne et l'électeur ne doit plus être un obstacle à la participation électorale à l'étranger. Il n'est pas acceptable que la France figure parmi les 10 des 27 États membres de l'Union européenne excluant toute forme de vote à distance pour les ressortissants étrangers. Voilà les propositions pour les Français de l'étranger. Elles incarnent une ambition et surtout une reconnaissance, celle de donner à chacun sa pleine et juste place dans la communauté internationale. C'est ce que je veux pour nos compatriotes à travers le monde. Je crois que la France est grande lorsqu'elle s'adresse à tous les siens et lorsqu'elle ne néglige ni n'oublie personne. Et d'ailleurs, le procès en incompétence qu'on lui fait souvent ici n'a pas lieu d'être, puisqu'elle a détaillé certaines mesures très techniques à l'égard des Français à l'étranger, ce qui doit être relevé. Je pense qu'aujourd'hui, elle a montré qu'elle a un souci des Français à l'étranger. Il y a quelques semaines, justement, Nicolas Sarkozy est venu. Il est allé voir Angela Merkel, et c'est tout ce qu'il a fait. J'ai besoin de vous pour cette élection présidentielle, pour gagner cette élection présidentielle. Pas pour moi, bien évidemment, mais parce que je pense que la France mérite bien mieux que ce qu'elle a. Qu'elle a la capacité de se relever, qu'elle peut revenir. Et qu'elle peut revenir à la table de l'Europe. J'ai confiance, j'ai besoin de votre énergie et de votre enthousiasme. Vive la République, vive la France. Voilà, mais l'ambiance est excellente, un monde fou, un enthousiasme, c'est très agréable. Ségolène, qu'est-ce que vous faites ce soir? Quels sont vos plans pour la soirée à Berlin? Boire de la bière. Vous avez vu, Ségolène a été ravie vraiment de la mobilisation, de la vitalité, de voir autant de jeunes. C'était pas évident comme ça quand on se représentait à cette réunion, parce que la campagne ne se jouera pas que dans les grands médias télévisés, elle se jouera dans notre capacité à nous tous ensemble. Elle a dit, vote, mon équipe de campagne c'est vous, de mobiliser, de convaincre. Il y a un restaurant qui s'appelle les Zwölf Apostel, qui est ouvert toute la semaine, 24/24, tu vas à 5h du matin, tu manges des pizzas, des masques, Là, c'est très spécial, quoi. Et pour y vivre, c'est génial, quoi. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment génial, quoi. Alors, la rencontre avec Madame Angela Merkel s'est déroulée dans un climat très chaleureux, j'allais même dire avec une certaine complicité. C'est une femme courageuse qui a vraiment envie que l'Europe se relève. Et je partage avec elle le souci de renforcer des liens entre la France et l'Allemagne. Je crois que l'ensemble des autres pays européens, et j'allais même dire à l'échelle internationale,
ceux qui attendent beaucoup de l'Europe attendent que la France et l'Allemagne prennent leurs responsabilités. Non pas aux dépens des autres pays, bien évidemment, mais chacun sait bien que pour avancer, ces rapprochements sont absolument nécessaires. Nous avons bien sûr évoqué très longuement le dossier Airbus. Vous connaissez la sensibilité et les nuances des points de vue qui sont reliés à nos histoires mutuelles, mais nous partageons totalement l'objectif selon lequel l'Europe devait défendre sa filière aéronautique, que l'Europe devait tout faire et que les pays européens concernés devaient tout faire pour garder le potentiel de recherche des industries de l'avenir sur leur territoire, que nous devions définir en commun des politiques industrielles. Et en tout cas, ce qui est très clair, c'est que nous partageons premièrement le souci de maintenir les emplois, deuxièmement le souci de faire en sorte que la productivité et que la compétitivité de cette entreprise soient maintenues, troisièmement la nécessité de défendre et de maintenir une filière aéronautique européenne de poids, et enfin de donner les moyens nécessaires à la recherche. Vous savez, les convergences de l'Europe, elles sont là. C'est faire en sorte que le progrès social des peuples qui composent l'Europe aille de l'avant et que nous ne soyons pas tirés vers le bas. Et donc, cette convergence-là existe. Je crois qu'elle est soucieuse de faire en sorte que la France trouve une opportunité, des occasions et des raisons de revenir à la table de l'Europe. C'est aussi ma volonté la plus profonde. À condition qu'entre-temps, l'Europe fasse ses preuves, c'est-à-dire que le chômage y recule, que le progrès social progresse et que nous puissions lancer des programmes communs et en particulier sur les énergies renouvelables, sur la recherche et sur la santé. J'ai par exemple évoqué des actions communes que nous pourrions lancer sur la lutte contre le cancer en particulier, et je l'ai trouvée très ouverte sur cette question. Voilà, Montréal.